Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Cities Skyline. J'étais en train de faire un petit tour, de regarder tous les menus, et j'ai vu un petit truc qui m'a un petit peu embêté. C'est ça. À mon avis, ça fait longtemps, mais alors très longtemps que c'est comme ça. Du coup, c'est pas très sérieux, il faut bien l'avouer. Étrange quand même. Ouais, ça va pas être réglable aussi facilement que ça. Il va falloir que je détruise ça. Ouais, c'est parce qu'il veut pas en fait. Je suis obligé de détruire ça. Voilà, là c'est bon. Et de refaire. Voilà, je pense que ça va mieux marcher comme ça. Alors, au dernier épisode, j'ai pu installer le train. Je vais définir des nouvelles zones. Je pense que il y a besoin de zones résidentielles, ça tombe bien. J'en ai encore énormément à faire. Alors, il me semble que tout est en vert, ouais. Je vais passer à la brosse comme ça. Là, ça va augmenter la circulation dans les parages, hein. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de demandes. Donc ça va être très vite rempli tout ça. J'ai pas rempli le centre là, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je mets ici? Ouais. Alors je mets ça, mais ils sont pas heureux à cause du bruit. Malheureusement, j'ai pas vraiment de solution pour eux. Ils sont malades à cause du bruit, ouais. J'ai pas vraiment de solution. Du bruit, il y en aura. Il y a beaucoup de choses qui génèrent du bruit, je pense. Si je passe. Ouais, là, ça va être. Ils sont en plein dedans. Je me demande si c'est viable de faire ça ici. Honnêtement, je pourrais peut-être faire du commerce et puis. Le commerce souffrira moins du bruit, je pense. Bon, on verra. Si j'arrive pas à les développer jusqu'au maximum, pardon. On avisera. Bon là, de toute façon, c'est l'industrie. Ce que je voulais voir, c'était l'eau. Je crois que j'étais au bord de la crise. Il va falloir que j'en rajoute. Pompage d'eau. Je pourrais peut-être me raccorder directement. Est-ce que ça marche? C'est pas très clair. Je vais en mettre deux tout de suite. Je suis riche, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Même si j'ai des projets qui vont bientôt me coûter cher. Comme le métro par exemple. Ok, ça c'est bon. On va attendre quelques jours que ça se mette bien. Voilà, 360. Oh, normalement ça devrait. Voilà, 480. Bon, l'électricité par contre ça va. Donc la circulation, pas trop de problèmes. Honnêtement, là, c'est vraiment mineur, je pense. Je sais même pas pourquoi il circule pas. C'est quoi ça? Pourquoi il avance pas? Il est en panne? Ouais, bon, ça va, ça circule bien. Je sais pas pourquoi le camion de pompier était resté à l'arrêt, là. Les trains, ça a l'air de bien marcher aussi. Ouais, ça charge. Bon. Là, ça va se développer assez vite. Je crois que je vais refaire un peu plus de zone industrielle ici. Je suis à peu près prêt. Il y a une petite demande. Donc là, j'étais sur du sens interdit. Dans le même sens. Ouais, c'est bon. Et pour l'instant, les autres rues, j'étais pas sur du sens interdit, je crois pas. J'ai pas mis ça en place encore. Remarque, je sais pas. Non, pas encore. Je ferai ça à l'avenir. Pour l'instant, je vais m'abstenir. Là, j'arrive au bord de la carte. Par contre, là j'ai bien fait. Là j'aurais dû faire. J'aurais dû faire une route plus large, je crois.
Une, deux, trois, quatre zones. Une, deux, trois, quatre. Ouais, j'aurais dû faire une route plus large ici. Le problème, c'est que faut tout détruire. Je vais mettre en pause. Ouais, du coup, il faut que je la décale un peu, je pense. Ah, non, ça va pas du tout. Pourquoi j'avais fait ça? Moi, c'est quand même étrange. 1, 2, 3, 4. Hop, vite fait. Ouais, si, c'est ça. En plus, là, je pourrais même aller plus loin. Ah, j'avais peut-être dit que je faisais 5 au lieu de 4. Ouais. Non, je fais des bêtises. Là. Du coup, je sais plus. Ouais, c'est là. En fait, je vais faire 5 au lieu de 4. Ça fera une zone plus grande. J'espère que ça générera pas des problèmes de circulation supplémentaires. Je voulais faire cette taille-là. Par contre, je voulais faire du sens unique, hein. Non, non, j'avais pas encore mis en place le sens unique. Non, mais même là, en fait, j'ai pas mis en place le sens unique, putain. Pour l'instant. Je le mettrai en place un peu plus tard. Par contre, j'ai l'impression que là. Je suis un peu limite quand même. Parce que la limite de la zone, elle est là. Ouais, ça devrait le faire. Ok. Alors, je peux prendre ça. Toute façon, là, je vais être un peu bloqué, il faut bien le dire. Je vais peut-être bientôt racheter des zones. Mais ça va être un choix à faire, il faut que je regarde quelle zone je veux. Bon, là, il y a des problèmes de relief. Ok. Alors, je crois que avec 25 000 habitants, je fais 12 000 d'argent. Je peux commencer à réfléchir, mais j'ai quand même bien rempli là. Je pourrais refaire une zone ici. Oh là, j'ai des problèmes d'électricité. Pourtant, il me semblait bien que j'étais très loin de ma limite. Ouais, je suis loin. Pourquoi j'ai des... C'est quoi ce délire-là? Alors que je suis quand même bien loin. Ce que je vais faire, je vais faire une source d'électricité plus près. Je vais la faire ici. Parce qu'en fait, toute l'électricité vient peut-être de trop loin, je sais pas. Ça crée peut-être des soucis au bout d'un certain temps. Donc je vais pas me poser plus de questions que ça. Merde, ça rentre pas. Là, il y a une route, pourquoi il veut pas me la mettre? Merde, ça aurait été bien de le mettre là, pourtant. Ça rentre pas dans une case. Oh, chier. Et là, normalement, ça devrait rentrer, je comprends pas. Allez. Mais là, on est le long d'une route. Le bâtiment doit être placé le long de la route. Pourquoi il veut pas? Il y a une route là, pourtant. Ah, là, il veut bien. C'est peut-être juste une question de relief. Bon, tant pis, je vais placer un truc un peu plus petit. Bon, par contre, il est un peu loin. Ouais, je pense que ça va se remplir, hein, faut espérer. On verra. Parce que là, les problèmes d'électricité, c'est pas normal. Normalement, j'ai de quoi fournir pour tout le monde.
Éduquer plus d'habitants, ouais. Ça va se faire. Là, j'ai pas d'eau. Merde, ça devient un peu trop serré là. Ouais, ça sera bien. Du coup, l'électricité, c'est bon ou pas? Presque. En tout cas, j'ai plus aucun problème de circulation. Ce qu'il faudrait, c'est que je fasse des bus à l'intérieur de la zone industrielle, je crois. J'ai quand même beaucoup de choses abandonnées. Et j'ai un truc que j'avais pas avant, c'est ça. Pas assez d'acheteurs pour les produits. Ça veut dire qu'il faudrait plus d'habitants, mais. Ce qu'il y a, c'est que la demande, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est pas très forte. Hein. Alors, ce que je vais faire, j'ai assez d'argent. Je vais me lancer dans le métro. Et je vais commencer par relier les zones une par une. Alors ça va me coûter encore des habitations, hein, mais c'est pas grave. Pour l'instant, je vais faire une bouche de métro par zone. Je vais la placer au centre de chaque zone à peu près. Ok. Et ici, je vais en faire deux parce que c'est une très grosse zone. Donc, il mérite bien deux lignes. Ici. Ok. C'est bon. Ah bah j'ai aussi cette zone-là quand même qui mérite bien sa petite ligne. Pour l'instant, je vais la placer là. Bon, elle a pas d'électricité, mais ça va venir. Donc là, c'est bon. Celle-là, elle aurait bien mérité deux arrêts. Comment je peux faire? Transférer le bâtiment, je sens que ça va me coûter encore super cher. Je vais la mettre là. Ok. Et du coup l'autre, je vais la mettre à peu près en face. Hein. On n'est pas... Voilà. Par contre, je pense qu'il faut que je rezone ce que j'ai détruit. Ouais, si. Là. Et là, j'ai pas besoin. Non, là, c'est bon. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, il me faut évidemment les lignes. Est-ce que je fais qu'une ligne? Ouais, pour l'instant, je vais faire qu'une ligne. Ça va être assez simple. Hop. Alors, bah, ouais, ça, c'est pas terrible. Et là, ah, j'ai oublié cette zone-là. Bon, on va faire comme ça. Ok, ça me fait une ligne. Donc assez simplement. Je pense que ça va largement améliorer. Peut-être que mes industries vont passer au dernier niveau. Ok, ma première ligne de métro. Et je vois quelques industries qui progressent. Beaucoup d'industries qui progressent. Est-ce qu'elles vont au niveau 3 ou non, elles vont plutôt au niveau 2. Hein. Mais c'est pas encore ça. Hein. Je pense qu'il va falloir que je fasse des bus aussi. J'ai envie de faire une ligne de bus dans ma zone industrielle. Ou alors je fais une ligne de bus. Ouais. C'est parti. Une ligne de bus entre les zones. Donc ce sera plutôt ici. Avec un bus qui va aller. Il est obligé d'aller là. Là, il va s'arrêter au centre devant, on va dire. Là, je peux pas aller. Normalement, je peux aller là.
Peut-être des sens interdits qui m'en empêchent. C'est pas grave, on va s'arrêter là. Ensuite, on va aller là. Ici. 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 Et ici. Voilà qui devrait plaire à ma zone industrielle. Qui devrait les amener quasiment au niveau 3. Et tout d'un coup, j'ai beaucoup plus de demandes. Et j'ai encore beaucoup plus d'argent, donc je pense que je vais me lancer dans une nouvelle zone. Sauf que cette nouvelle zone va demander un peu d'aménagement. Il va falloir que je détruise la ville, hein, l'autoroute, je pense. Je sais pas comment je vais faire ça. Hein. Il va falloir que j'aménage l'autoroute. Alors, est-ce que je peux acheter des carrés? Ce qui est bête, c'est qu'on sait pas combien on peut en acheter. On peut pas acheter celui-là. Ah, qui est si chiant ce truc. Je sais pas quel carré acheter. Je vais peut-être acheter celui-là. Alors, j'ai pas accès à aucune connexion bateau sortant. Pourtant, j'ai regardé, j'ai bien choisi, il me semble, la carte qui avait accès à un bateau sortant. Donc, je suis un peu inquiet. Je sais pas où va être l'accès au bateau sortant. Alors, je pourrais acheter ce carré-là. J'ai envie de refaire l'autoroute de toute façon. Je vais la faire contourner un peu. Je vais acheter ce carré-là. Ok. Est-ce que je peux en acheter? Ah, je peux pas en acheter d'autres, d'accord. Alors, il me dit toujours que je manque d'électricité. Ça, ça m'énerve un peu parce que ça devrait pas être le cas. Comment ça se fait? Pas assez d'électricité. Bah, si, normalement, je vois pas pourquoi. Pourtant, celle-là, elle est toute près, j'ai fait exprès. Je manque d'électricité partout, c'est ça qui est bien. Je fais exprès d'installer de l'électricité juste à côté, mais ça sert pas à grand-chose, visiblement. Faudrait peut-être que je diversifie mes moyens de production. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas de... Si je mets ça, ça produit que 3, c'est ridicule. Si je mets ça, là ça produit 6, ouais, je suis même pas dans la zone. Là ça produit 5, 3. Je sais pas quoi faire. Ça, ça va rien produire du tout, j'imagine. 80. Ah, c'est pas mal. 64. C'est pas si mal que ça en fait. 16. Ah là, c'est nul. 16, 32, 32, et là je suis en dehors de ma zone. En fait, ça produisait beaucoup ici, 80. C'est pas mal, hein. Faudra que je fasse, je crois que je vais passer par là. Alors ce que je vais faire déjà, je vais... j'ai deux choses à dérouter, j'ai les chemins de fer qui sont ici. Alors déjà, il y a le brouillard qui m'énerve un peu. Voilà, c'est quoi cet échangeur là? J'ai l'impression que ça va représenter beaucoup d'argent, cette petite... Mais bon, si je veux m'installer... Je vais m'installer ici. Non mais l'électricité, ça m'énerve. Hein. Consommation, production, pourquoi je suis... Ici, est-ce que je peux... Non, ici, je peux pas faire de barrage, j'imagine. Si, je peux même faire un barrage ici, mais pas top. 80 ici.
Là, ça m'intéresse. Je trouve ça assez énorme. En tout cas, ça justifie de faire quelque chose. Surtout que là, je vois que toute la zone est sans électricité. Ok, c'est résolu, on dirait. Ah, et je veux que c'est résolu. Je suis largement au-dessus. En fait, il faut être largement au-dessus. C'est pas très compréhensible. C'est quoi ça? Pas assez de fuel. La centrale à charbon transforme le charbon en électricité. Et il n'y a pas assez de charbon, visiblement. C'est pour ça, hein, que j'ai des problèmes. J'ai du mal à comprendre, j'avoue. Alors ici, je vais faire une petite pause. Je vais détruire la route. Je vais acheter leur échangeur là. Je vais mettre celui-là. Ah, faut que je détruise plus. Je vais encore tourner un peu. Là. Comme ça. Remarque, j'irais bien le coller encore plus. Ah non, je peux plus. Je peux plus détruire en fait. Là, on est trop près de la frontière. Donc, je suis obligé de me mettre là. Alors là, on va dans quel sens? Ce sens-là. Pas vite fait. Bon, pour l'instant, c'est pas très joli. Mais c'est pas grave. Donc ici, on va faire une courbe. Comme ça. Ah, par contre, faut que j'aille dans l'autre sens. Merde. Ça va être pénible, je sens. Oui, chiant. Là, je vais faire une ligne droite. Ça se trouve, j'ai même pas fait dans le bon sens, je parie, putain. Je peux pas aller changer de sens là. J'espère que ça me coûte rien de les changer de sens comme ça. A priori non. Un clic droit et c'est bon. Sauf que faut que je fasse toute la longueur comme ça. C'est parti dans l'autre sens. Je réfléchissais à un truc. J'ai beaucoup d'argent, donc je peux faire des tests. Je pourrais peut-être faire passer tout simplement l'autoroute au-dessus de mon quartier. Ouais, on va voir ça. Bon, je vais réfléchir. Je crois plutôt que je vais faire un quartier et je ferai passer l'autoroute dessus. Pour l'instant, je vais m'arrêter. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.